Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le réveil multifonction Arduino. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit écran, le Nokia 5110, qui affiche l'heure, ainsi que la date. Ensuite, nous avons un joystick qui permet de naviguer dans les différents menus modes de ce réveil. Exemple. Si je bascule comme ça, j'atterris dans le mode baromètre. Donc pour que le baromètre soit juste, il faut que je règle l'altitude correctement. Donc j'appuie sur le joystick, hop, et je règle. Correctement. Donc, on voit qu'il fait 1014 hectopascals et un petit nuage pour dire que c'est mitigé. On bascule encore le joystick. Nous avons un thermomètre et on peut régler l'unité de celui-ci. Soit on peut le régler en Fahrenheit, soit en degrés Celsius. Ensuite, nous avons l'alarme. Donc l'alarme, on peut la faire sonner, donc on peut régler si l'alarme est on ou off, donc la on par exemple. On peut régler si le snooze est on ou off, donc on va mettre off. On règle l'heure, machin. On règle les minutes, là. Et on choisit la mélodie. Donc il y en a plusieurs, hein. Exemple, si on veut l'écouter, avec le joystick. Voilà. Et celle-là, ou alors il y a la traditionnelle, hein, des tout réveils. Voilà, donc par exemple, on va prendre celle-là. Donc, nous avons des petits icônes. Celui-ci signifie que l'alarme est activée. Et celui-ci signifie que la mélodie est la numéro 1. Donc, maintenant, nous allons vraiment le faire sonner. Donc, il est 17h03. Je vais le faire sonner à 17h04. On, on, off. Donc 17h04. Mélodie 1. On va attendre un peu. Vous pouvez voir qu'on peut allumer la lumière grâce au petit bouton en haut. Voilà. Ça y est. Il est 17h04. Deux LED tricolores font un affichage, des petites lumières sympas. Et voilà. Ensuite, pour l'éteindre, j'appuie là-dessus. Et voilà. Si je veux désactiver l'alarme, je vais dans Alarme, Off, hop, les icônes disparaissent. Je peux mettre le snooze, donc juste hop. Donc là, si je mets le snooze, les petits Z apparaissent qui signifient snooze. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt.